Le processus de modernisation du circuit financier par l'informatisation de la chaîne de la dépense publique a atteint le Kasaï occidental. La cérémonie du lancement officiel organisée dans la salle de réunion du bâtiment administratif sous la présidence du gouverneur Alex Kandemo Pompa avec l'appui du projet de renforcement des capacités en gouvernance PRCG connaît un succès en présence de délégués de toutes les institutions concernées. En vue de faciliter la traçabilité efficiente dans la gestion des finances, les gouvernorats, le ministère, l'Assemblée provinciale et la Banque centrale du Congo seront mise en réseau informatique à l'aide de la fibre optique. Dans son allocution, le secrétaire général au budget et président du comité de pilotage national a donné les objectifs de cette réforme initiée par le chef de l'État Joseph Kabila Kabangé. Ces actions visent in fine à abandonner l'exécution de finances publiques dans son volet de dépenses basé sur un traitement manuel au profit d'une exécution automatique au travers des outils informatiques et d'un réseau intranet moderne. Le gouverneur Alex Kandé, qui a déjà pris des actes de création de structures de la chaîne des dépenses publiques au Kasaï occidental, précise que cet outil implanté va répondre aux exigences de la bonne gouvernance économique. Les dépenses publiques doivent être exécutées avec orthodoxie, de manière rationnelle et sans demi-mesure, permettant ainsi de gérer correctement les fonds de l'État ou des entités territoriales décentralisées et d'évoluer dans la transparence à l'amélioration de la situation économique et sociale de nos populations. Notons que l'installation de ces réseaux Internet de la chaîne de dépenses publiques prendra 6 mois et c'est l'entreprise Bureau Top qui exécute les travaux.